Yo tout le monde, c'est Candy Goldo, on se retrouve sur Mafia 3 pour la suite de l'attaque des Frisco Field. Donc on a fait mal au Ku Klux Klan et à la Southern Union dans le précédent épisode. Il est temps de s'attaquer au PCP et du coup aux narcotiques et psychotropes ici, qui est d'ailleurs la spécialisation de Olivia Marcano, donc celle qui a le dernier capot, hein, celle qui s'occupe de Frisco Field. Donc on va d'abord attaquer ici et braquer le dépôt de taxi. Donc les dealers de Bastian font compter la totalité de leurs recettes ici. Donc c'est là qu'on va frapper pour commencer. Donc on a des missions d'assassinat sinon. Mais bon, on va d'abord faire ça. C'est un bon début. Donc on a fait beaucoup d'attaques de rassemblement. On a attaqué leur dépôt d'armes et tout au Ku Klux Klan, enfin à la Southern Union. On leur a fait très mal et on a également assassiné un de leurs oncles. C'est comme ça qu'il s'appelait. Ah bah regardez, on est en plein dans le QG de leur fameux taxi. C'est ces véhicules-là qu'ils utilisent dans la ville. C'est les véhicules dans lesquels ils sont nombreux et où ils nous spotent et tout. Ils font la police avec ces taxis en réalité. C'est des vrais petits enfoirés. Bon allez, ils sont pas méchants les deux là. Moi j'avance, il y en a deux, trois à l'extérieur. Faudrait qu'il y en ait un qui se casse, qui se retourne. Ça fait du bruit, c'est infesté de moustiques. Au mieux, on attrape un alligator trop petit pour être mangé. Très peu pour moi. Ah merde. Faites votre boulot et trouvez-le. C'est bon. Il y en a un autre contre le mur ici, je si pense. Mon gamin se laissait pousser les cheveux aussi, je lui botterais. Non, bon, allez. Il y a un salopard à gauche, un qui est assis là. Ah, le guetteur, il faut se le faire. Hein ? Vous avez entendu lui ? Le quartier en a besoin ? Il était foutu hein d'avance. Ramenez les gars ici. Je me fous à couvert. Appelez une ambulance. Viens à vous les gars. Mais bon. Allez, on attaque. Oh putain ! Le compte à rebours est terminé, enfoiré. Allez. Faut que je recharge. Ah, les rechargements, ça m'énerve. Bon, il faut crocheter ici. Allez, on fait ça. Allez, hop. C'est bon. Il y en a encore deux dans l'autre bâtiment. Allez, on ouvre vite. On va voler ça. Allez, il faut crocheter. C'est bon, 20 000, putain. Bon là j'ai plus grand chose dans mes caisses puisque j'ai acheté des améliorations pour mes véhicules, quelque chose que j'avais pas encore fait du tout. J'ai boosté leur performance, leur blindage, etc. C'est bon, ils sont tous morts. Donc voilà, on va aller attaquer cette fois-ci. Ben on va assassiner puisqu'on n'a rien d'autre à faire. Donc c'est parti, on va tuer les fabricants de PCP de Bastian. Donc à Gabe Chauvin, Bix Bronner, Lonnie Grima. On va tout de suite aller s'en faire un. Et ils sont juste à côté. Ben tiens, il y en a un autre de la Southern Union. Ils sont juste l'un à côté de l'autre. On va se faire les deux. Bon alors. Il y en a du monde. Est-ce que j'ai encore des grenades? Ouh. On a fait le plein, oh c'est parfait alors. On va faire ça comme ça. Une putain de grenade. C'est bon. Ils sont tous quasi morts. Allez, montre-toi. C'est bon, ils sont tous morts. Allez, on attaque l'autre. Bon là par contre je pense qu'ils nous ont vu. Ouais. Ah putain le bâtard. Pourquoi je dois passer quand on cherche la merde? Bon il va y avoir du renfort. Faut obliger qu'il y ait du renfort parce que là j'ai pas réussi à l'avoir le mec. Je me fous à couvert. Et je sais toujours pas où est la cible. Là. Oh putain, les renforts ils sont là en masse. Un autre. Merde. Il a réussi à me coincer. Il faut que je... Ok. Scaletta, j'ai besoin de toi. Ils sont trop nombreux là. Ce mec est à moi. Oh non. C'est bon, c'est soigné. Oh là là, de justesse. C'est bon, ils sont là.
putain, c'était à deux doigts. Hein. Encore une chance que j'ai ce Scaletta avec moi. Putain. C'est bon. Je peux pas sauter, merde. C'est bon. Bon, bah alors la cible, elle est où? Ça, c'est la question. Ah. Elle s'est cassée, quoi. Ah non, c'est bon, ils l'ont eu. Parfait. Allez. Bon, l'autre il s'en fout, il voit pas. Voilà. Allez, viens. Viens, on va voir ailleurs. Et voilà. C'est bon, deux en moins. Le guetteur est juste là, hop, un peu d'argent. Et le camion citerne est énorme. C'est l'objectif, donc on va le faire péter. Je vais juste prendre ceci. Saloperie de grenade. Et voilà. Hop, on fait mal à ça aussi. C'est bon. Ils sont tous dead. Au-dessus, il n'y a rien. Ok, donc c'est parti. On va se faire l'assassinat de l'Onigrima. Donc ça, il a appris à synthétiser le PCP en effectuant le processus inverse sur le mastos d'un junkie crevé. Il a même réussi à améliorer la qualité du produit de Bastian. Il doit crever. Donc c'est parti. On pourrait balancer une grenade. J'en ai encore une. Il y a de nouveau du gars assis, etc. Là, salut mec. Découpez ce sac à merde. Tu n'iras bien ils ont par pas te pu trouver. Voir. Oh. Demandez. Est-ce que les autres ont entendu? Là, on a une putain de chance. C'est bon. Bon alors, il y en a qui travaillent. Le mec qu'on doit buter est juste ici. Au fond là. Une grenade, bougez votre cul! Merde! C'est bon, il est mort. On a perdu un autre. Et peut-être revenir. On y va. Décharge sur moi. Et on a tout pété. Et c'est bon. On a des comptes à régler maintenant. Le trafic est tombé. Je suis coincé. J'ai besoin d'aide. Attention parce que l'autre c'est un guetteur. Il pourrait appeler les renforts, hein, ce salaud. Ah bah non, c'est bon. Essaie de me buter. C'est bon, ils sont tous morts, je vais juste aller chercher la thune. Hop, il y avait de la thune ici quelque part. Oui, voilà. Bon bah parfait. Trafic de PCP détruit. On va tout de suite aller voir nos deux informateurs. C'est parti. Tu trouveras Chester Moreau à l'épicerie. Comment tu l'as trouvé? J'ai eu une intuition. Du coup, j'ai surveillé un appartement du quartier français au nom de son plus jeune fils. Cette ordure s'y tairait. Il s'est réinfiltré dans Frisco avec quelques gros bras en renfort. Il doit se dire que si Olivia vient pas le cueillir, toi tu le feras. Ça va toi? Non. Ces pauvres gens. Je connais quelqu'un au département d'État qui pourra les aider. Mais Moreau... Moreau et ce salaud de Rémi Duval, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ils paieront. Tu as ma parole. Quand je me suis rendu compte de ce qu'ils faisaient... Ok, donc c'est bon, on a la position. Il faut que t'arrêtes Moreau. De Moreau, donc c'est le boss du trafic ici concernant la Southern Union et il se trouve à l'épicerie. On avait déjà été là-bas au précédent épisode. On va du coup aller se le faire, mais on va d'abord aller au contact de notre informateur au niveau du PCP. Ces derniers jours, ça n'a pas franchement été la joie pour Bobby Bastian. Il y a beaucoup moins de sa cam qui circule dans la rue que lui et Madame Marcano auraient voulu. On dirait que c'est une bonne nouvelle. Je vais pas pleurer non plus, hein. Qu'est-ce que ça donne alors au labo? Bastian est là-bas? Ouais, mais c'est pas la joie. Apparemment, les Marcano se plaignent que le fric rentre plus dans les caisses. Ouais, on verra ce que ça leur fait de perdre leur labo narcotique. Eh Bert, vends ce que t'as à vendre. Mais je te déconseille de foutre les pieds à Delray. Bon, tu sais où trouver Bastian, alors... Et voilà, donc c'est bon. Bon, Bastian, le boss du trafic de PCP, maintenant... fait plus trop circuler grand chose après ce qu'on a fait, c'est normal. Donc voilà, on va devoir aller se le faire et on va d'ailleurs se le faire en premier et on finira du coup par ce petit salopard de Chester Moreau juste après. Donc
on fera ça. Donc let's go, direction tout d'abord Bobby Bastian. Ok, on y est, donc Duval All Science Center. On y est, donc il est juste ici. En tout cas c'est un très grand bâtiment et il est occupé par beaucoup de monde. Donc on se fait donc là les chefs de trafic, hein, pour si vous n'avez pas encore compris. Mais c'est la première fois qu'il y a un bâtiment comme ça pour un putain de chef de trafic. C'est un truc de fou. Bon allez, let's go. On va d'abord prendre ça, mais il y a beaucoup de mecs aux étages. Il y en a forcément un qui va nous cramer. Ah bah oui, voilà, bien sûr, si j'étais pas là, comment ils se débrouilleraient, bien sûr. Essayons pas là. Spot. Apparemment non. Ah, quoique. On va le faire venir. Le maximum d'entre eux qu'on se fera en fufu, mieux c'est. Ok, il y a un gars là. Ah, ils sont pas tous au même étage non plus, donc c'est faisable. Voilà. Je vais t'avoir, mon pote. Hé! Ça c'était un peu plus violent, mais. Un corps ici. Ouais, ils sont en train de découvrir les corps en bas. Voilà. Ok, il y a un guetteur de l'autre côté. Attention. Celui-là, faut se le faire. Ok, il y en a d'autres ici. Attention, il y en a un qui descend là, ouais. Je me disais aussi, bon bah ça va, on est en train de se les faire en grande partie. Putain, lui par contre est tombé au sol. Le pauvre. Ah ouais, regardez les labos. Ok, là par contre ça va être autre chose. Ok, il ne regarde pas. Il y en a un qui vient. Il fait des conchons qu'en enfer, bordel. Ok, il se parle. L'autre se casse au fond. On va se faire lui là. Ah bah il vient vers nous, parfait. Juste faire gaffe à l'autre. Là-bas, tirez-lui dessus, putain de merde. Ce mec est à moi. Ouais, par contre là, on est spoté. Je pense que ça va, par contre on va pas trop rester. Ouais, vous voyez, ça je le craignais. Bon bah, comme c'est la castagne. Laissez-le-moi. Putain, on a failli crever quoi, mais j'hallucine. J'ai plus de quoi me soigner en plus. Bon bon, on s'est tous fait, encore une chance qu'on s'est fait les trois quarts en fufu. Parce que sinon, oh merde. Sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense. C'est quoi ça ? Un de plus pour lui. Ouais, il y en a encore, hein. C'est ça le pire. Par contre, ça je prends. Là. Je vais à couvert. Oh putain, le bâtard. J'ai touché. Où il va ? Il est où son téléphone ? Allez, toi tu crèves. Et voilà, c'est bon. Affaire réglée. Ah, c'est lui ! Allez, mon vieux. À la casserole. Voilà. Putain, le bâtard. On va appeler les renforts, cet enfoiré. Allez hop. Bon, l'autre il est mort, hein. Mais je sais pas qui c'était. C'était pas Bob Bastian. Il est là. Putain, encore un peu. Je tiens dans le bidon. Il est là, cet enfoiré. Bastian, j'arrive. Je me fous à couvert. Où est-ce qu'il est? Ok, au corps à corps, go. Putain de merde. Allez, salope, va. Ok, tu aimes pas le corps à corps? Voilà. Fais ce que t'as à faire, mais me livre pas à Olivia. Fais chier. Et voilà, dans le cœur. Comme d'habitude, donc trafic de PCP sécurisé, on va le donner à quelqu'un. Et donc je l'avais dit, cette fois-ci c'est pour Cassandra. Et on va du coup apparemment
choper le Hartmann AT-40. Perce blindage, donc lance-roquette de base. Donc voilà, ça c'est pour Cassandra. J'ai besoin d'un coup de main pour tenir Frisco Fields. T'as des hommes sous la main ? Mes hommes vont partir. Et Lincoln, pourvu que ça serve notre cause. Et voilà, c'est parti, on y est. J'ai mis le costard pour l'occasion. Et donc voilà, il y a du connard en quantité encore une fois. Il y a un guetteur juste là. Voilà. Il y a un mec juste ici aussi. Oh putain. Il y a un type là. Ah, le mec qu'on doit buter est juste là. Le chef de trafic, la cible. J'ai nulle part où aller. Merde, ah, salaud, je voulais déjà le mettre à terre, mais c'est pas grave. Bon, maintenant les hostilités sont déclenchées, donc on y va. Sortira d'ici les pieds devant. Ça, ce que j'aime pas, c'est les fusils à pompe qui sont extrêmement violents. Ok, il y a juste le gilet pare-balles là-bas, je vais le chercher. Elle est là. Hop, hyper important. Allez, on monte. Suivez-moi. Ah, attendez. La chasse est ouverte. Ma cap. Me mets à couvert. Hop. Salut. Je vous ai manqué. Tellement de sang. C'est bon. Je vais t'arracher le cœur avec les dents. Ah, pas là. Voilà. Il est à vous, les gars. C'est quelqu'un de ta taille. Putain, il y en a la blinde. Bon, je vais aller de l'autre côté, ils sont moins nombreux. Et moi, là, ils sont tous, putain. Je suis à peine échauffé. C'est lui. Allez-y. Ça fait mal, hein. Oh là 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 là. Mais le fusil à pompe, laissez tomber. Oh, le mec il rigole quoi, il est. Ça dit qu'à ce couvert. Il est par là. Je peux pas bouger. C'est bon. Ah, la cible. C'est bon. Une canarde. Bon. Alors. Hop. 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 Et voilà. Mon petit Moro. Je ferai tout ce que tu veux. Mais me tue pas. Mais tout ce que je veux, c'est que tu crèves. Ça c'est fait. Et voilà. Trafic d'esclaves sécurisé. Parfait. Donc la Southern Union n'est plus dans Frisco Field et on donne ça à Cassandra aussi. Donc voilà, maintenant, il reste plus qu'une femme à abattre ici à Frisco Field. C'est Olivia, Olivia Marcano. Juste histoire qu'on soit raccord. C'est elle qui va falloir buter maintenant. On trouvera un autre moyen de se faire du fric. C'est mon frère, ce quartier, je le veux. J'aimerais pas repartir sans rien. Donc voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va donner ça à Cassandra. Donc évidemment, une fois que la salope sera morte, on donnera le quartier entier à Cassandra. Et donc voilà, les deux quartiers vont pour elle. Et maintenant, normalement, on est censé avoir des nouveautés concernant Olivia Marcano. Elle est censée se ramener là, hein, puisque c'est un peu la merde dans son quartier. Donc elle est obligée de se montrer. Et après que Lincoln Clay ait tué le dernier capot, c'est à ce moment qu'il s'est tourné vers Sal Marcano. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça qu'on procédait au Vietnam. Vous voulez vous débarrasser du chef des connards? Vous ciblez ses hommes et ses infrastructures pour supprimer leur capacité de défense. Et avant même de s'en rendre compte, eh ben, ils se retrouvent tous à poil, le cul bien au vent. Et ouais, donc comme l'a dit Donovan, exactement ça. Donc Donovan en sait plus sur Rémi Duval, donc on va aller lui parler. On dirait que tes impressions sur Rémi Duval étaient justifiées.
Écoute ça. Regardez ce qu'il nous fait. Ce qu'il fait à notre quartier, à nos familles. Moi, en tout cas, je refuse de regarder sans rien faire des nègres à grosse bouche saccager tout ce qu'on a de plus cher. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous espérez accomplir? Étrangler ce fils de pute, voilà ce que je vais accomplir! Excusez-moi. Je devrais pas tenir ce langage. Je crois qu'il vous pousse à bout, Rémi. Vous êtes bien trop important pour vous laisser embarquer là-dedans. La situation est regrettable, je vous l'accorde. Mais ce qu'il fait, ça ne change rien. Laissez les hommes de salle régler ça. Les hommes de salle? Les habitants de ce quartier veulent que ce soit moi qui les protège, pas des connards de Rital Gominé. Non, je dois faire quelque chose. Je dois faire passer le message aux nègres et aux macaronis. Qu'ils sachent qu'à Frisco Fields, on sait se défendre tout seul. C'est une erreur, Rémi. Vous risquez de remettre en cause tous les efforts qu'on a faits jusqu'à présent. Notre mode de vie est attaqué, et je suis censé me préoccuper d'un foutu casino. Parfois, j'ai l'impression que vous avez oublié d'où vous venez, Olivia. Environ une minute plus tard, Olivia a appelé Sal pour lui dire que les potes sudistes de Rémi étaient à Tetros. Si tu retournes là-bas, je suis certain que tu vas vite en trouver quelques-uns et que tu pourras leur faire cracher où se planque Rémi. Dès que j'en aurai fini avec cet enfoiré, je m'occupe d'Olivia. Mais ça va pas être facile de l'approcher. Entre les hommes de Marcano et tous les Richards blancs qu'elle fréquente, ils vont me voir arriver à des kilomètres. J'ai besoin que tu réfléchisses et que tu trouves un plan. Ok, je vais réfléchir et nous trouver un plan. C'est quoi ton problème? L'hygiène personnelle, c'est très important. Ok, donc voilà, on a déjà du coup l'info comme quoi ils sont en train de péter un câble. Et donc on est maintenant, voilà, on doit tuer Rémi Duval, ce qui va nous mener à Olivia Marcano. Donc on a pu voir les deux en train de discuter, donc Rémi Duval est en train de péter son câble. Et c'est lui qui est censé s'occuper de la sécurisation de Frisco Field. Olivia a l'air plutôt un petit peu une conseillère qu'autre chose, et elle est plus du côté de Sal apparemment que du côté de Tommy, du côté de Rémi, pardon. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est tout. Il faut trouver un diacre de la Southern Union. Donc les diacres sont en contact direct avec Duval, ils travaillent pour lui auprès des membres de Southern Union. Mais ce sera dans le prochain gameplay, donc voilà, il va falloir faire tout ça, essayer de récolter des infos, préparer un plan avec Donovan, et on ira se le faire, et évidemment aussi se faire Olivia Marcano, et enfin Sal Marcano. Donc on commence tout doucement, voilà, on est vraiment, on touche à la fin là, on est sur le point de dénicher le dernier capot, et aussi de s'approcher encore plus de Sal Marcano. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce gameplay, n'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine, ciao!